Bonjour citoyens du monde, moi c'est Jordan Patrick et bienvenue sur ma chaîne. C'est le premier week-end qu'on est déconfiné et ce matin j'ai joué au tennis et puis l'après-midi je suis resté au calme chez moi. Mais il fait beau dehors donc je pensais aller au marché quelque part juste pour en profiter. Et demain matin je vais rejouer au tennis avant d'aller au lac. Donc je pensais pourquoi pas vous amener. Donc on y va, c'est parti. Bon, apparemment, les parcs sont rouverts. Non, je savais pas. Là, vous voyez qu'il n'y a pas de barrière qui était là avant, la semaine dernière, par exemple. Donc ça, c'est un bon point. Et en plus, ce parc est vraiment à côté de chez moi. Donc ça sera cool de y passer la semaine prochaine quand il fera beau. Ouais, je veux vraiment profiter d'avoir l'occasion pour aller au lac. Donc ouais, ça sera top. Let's go. En fait, mon but de maintenant, c'est de savoir si on a l'accès du palais de sport. Parce que je le passe tous les jours en voiture sur ma route au travail et je sais pas si c'est ouvert au public ou pas. Donc c'est vraiment le but. Dans la vidéo que j'ai fait pour un petit tour de Limoges, je parlais un peu de CSP, l'équipe de Limoges qui se joue là, c'est leur stade. Donc ouais, je vais mettre en lien pour cette vidéo si vous voulez regarder le tour de Limoges que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc ouais, cliquez là. Alors, j'ai trouvé l'entrée, mais c'est presque l'heure de fermer, donc j'entre pas. J'ai demandé le monsieur à quelle heure ça ouvre le matin, et c'est à 9h, donc j'ai pas la chance d'y aller avant commencer à travailler. Donc c'est un peu nul, mais c'est un peu drôle parce que je vois le panneau là, Paris, mais c'est loin. Donc bon, c'est 5h30 de route en voiture. Donc bon courage pour les gens qui le font. Ok, je viens de faire des courses et je vais rentrer et demain matin on se verra pour le tennis et puis le lac. Donc restez là. Bonjour. Oh, il est 7h, donc oh. On se lève. Bon, on a besoin d'un bon café du matin. Alors, il est l'heure de jouer au tennis, donc on y va, je vais conduire. Bien arrivé, on y va, c'est parti. Bon, on vient de finir là et on est un peu fatigué, mais ça sera cool. Aller au lac, rester tranquille, reposer
Bon, c'est parti. Bien arrivé, donc bon, tout de suite on va reposer, on peut faire un petit pique-nique, j'ai amené des choses à manger et puis plus tard dans l'après-midi je vais faire une petite randonnée, donc ouais, ça sera sympa. Kilomètres de Limoges et il y a beaucoup de randonnées, il y a du lac, il y a des activités genre le kayak, les bateaux, le camping, donc il y a beaucoup d'options et c'est vraiment pas loin de Limoges, donc c'est facile de passer la journée ou faire un apéro ou faire un barbecue, quelque chose, donc c'est vraiment cool et facile de Limoges. Voilà le lac du San Pardo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait grand plaisir. Donc si vous avez aimé cette vidéo, s'il vous plaît, mettez un like et abonnez-vous à ma chaîne. Je fais des vidéos en anglais et français 2 fois par semaine. Et à la prochaine, ciao ciao for now. Le tour de Limoges que j'ai fait il y a quelques semaines. Donc ouais.